coup, il faut activer lui. Ouais, prélèvement d'air sur le compresseur du. Oui. Et lui, il faut pas le. Lui, c'est. La pluie génératrice bon. Non, pas. C'est... Alors là, on voit qu'elle marche. Regardez. Voilà. Si la génératrice de la pluie était sur faute, ou sur off, bah voilà ce que ça fait. C'est d'accord, ça ah oui, okay. C'était de la pluie. Ah oui, d'accord, c'est oui. C'est pour... Là, allez, on voit qu'il y a la génératrice ici, là, qui fonctionne à 100%. Donc c'est elle qui nous fournit l'électricité. Oui, donc, voilà. C'est... Voilà, bon, on a du balai. Moi, j'avais fermé l'assiette, donc je voulais passer. Hein? Moi, j'ai fermé l'assiette, donc. Non, bah voilà, on a démarré les moteurs. Donc déjà, on met juste tu retournes les deux grands à droite. Voilà. Ah, encore un. Ouais, c'est décalé un petit peu. Et là, vous allez lancer le numéro 2 en premier. Voilà. On vérifie la séquence. Pour de la foulée, vous pouvez lancer le numéro 1. Ouais. Juste un petit peu d'œil, on a vu que c'est lancé, on a vu que c'est stable. On jette rapidement un œil ici pour voir si c'est bien de 100%, que c'est bien de 100%, ça marche pas au-dessus de 150. Cette injection, ça va aller petit, ça s'en va un petit peu, ça en fait. Vous pouvez couper la bulle. Alors, d'abord la bide, ah. Voilà, ah. Et après la master switch. Et là, c'est juste pour démarrer, non, c'est automatiquement. Ensuite, on met les volets en position 2. Voilà, c'est affiché ici, le 2. Voilà, si tout est bon, on peut mettre les lumières. Là, voilà. Celle-là, on peut mettre les lumières. Celle-là, on s'en fout. D'accord. Celle qui vous fait tourner à droite à gauche. C'est pas important. Ok. Ensuite, on va appuyer à l'ordinateur de bord. Donc, du bail, quoi, FDB. FDB. Faites n'importe quoi. Ça s'appelle 56 LMHK. Ça va être pratique à prononcer. Le standard, ils ont changé, on va mettre 50. On va monter à 3000 aussi. Voilà. On va se mettre 3000, parfait. Next stage. Bon. 60,7 tonnes de décollage. Perf. Volet position 2. Pareil, les vitesses vont être les mêmes. On va atteindre une certaine masse, elles vont être tout le temps au minimum. Ouais. C'est les minimes qu'on pourra pas avoir en dessous. Hop, V2, par exemple. Et si on avait par exemple 80% de fuel, on aurait. Et on va dire 10 nœuds de différence entre V1 et VR. D'accord. Au maximum. Et encore 10 nœuds, non, peut-être pas. Mais c'est tout. En fait, c'est bien. Plan de vol, la discontinuité qui nous embête, on enlève. Et on est sur la 33. Ouais. Ah, du coup, ça, on va l'enlever parce qu'on va le mettre en manager. Appuyez sur les deux là. Directeur, on va voir. Voilà, et c'est mis dessus. Voilà, et ben on est prêt. La checklist décollage, c'est affiché. L'autobreak sur le max, du coup, il y a ce problème de rodeur en réalité. Pas de prendre de risque. Ils peuvent confier. Hop là, bref. On met sur normal, et là, dès que vous êtes prêt, vous êtes patate. Alors, juste pour remettre sur moins 2, on est un petit peu trop. En fait, c'est pas le transiteur, c'est juste la gouverne qui se règle. Plan horizontal réglable. Par contre, ça joue sur les efforts, donc du coup il faut. Et après, ça va jouer sur les efforts. Par contre, n'hésitez pas à y aller, hein, parce que autant, comme je disais tout à l'heure, sur un Cessna, il va falloir mettre comme ça, sur un PMA, tout ce n'importe quoi. Là, malgré la fois, je me suis fait avoir. Il faut vraiment y aller pour compenser la situation. Okay. Voilà. Donc on va enlever les freins là. Ouais. Voilà, sur off. Et là, on fait patate. Ah, ah, ah. Ah. En fait, ça se règle avec ce gère. Okay. Ça avec le style. 82, 102, pas d'alarme. Allez-y, vous pouvez, un peu, voilà.
les 15, sinon on va passer encore dans la tour. Vas-y, on continue bien à droite, tu rentres à 30 volets. Juste au décollage, lui, la barre horizontale vous suit. Ouais, donc il faut vraiment se mettre sur 15 et après on voit par rapport à ce qu'il y a. On va mettre 122 en vitesse. Voilà, donc là maintenant on arrive à 3000, ouais. Ça fait ce qu'on va maintenir. Ah, attention, la barre verticale est à gauche par contre, on essaie d'aller chercher. Voilà, et vous pouvez rentrer dans l'écran de volet. Par la droite, 420. Descente, c'est bien vous mettre sur la barre horizontale. Voilà. On désarme les zéro freins, tout en tirant, évidemment. Et les trois lumières qui sont là. Et la dernière. Ici à 180, on va descendre. Donc on aura passé la barre, les deux barres, j'ai dit qu'on peut sortir un cran de volet, vous sortirez un cran de volet. On va mettre la passer, ça y est, vous sortirez un cran. À droite, sur la descente. Dès
Ok, ouais, putain, de ouf, miracle. Les pistes, ouais. Je vais finir à vue, soit sur la gauche, soit sur la droite. Par rapport au papy, on serait plus orienté, on se met sur la piste droite. Vous pouvez déjà commencer le virage à droite là. Allez, c'est bon. Bon, dès que vous êtes aligné, il y a plein de balles. Par rapport à votre position, enfin, c'est vrai, c'est vous qui choisissez du coup là. Mais au niveau de la longueur, je sais pas laquelle est la plus grande. Je crois que ça se tient. Les deux, elles sont. Vous allez voir. Sans... Ah si, c'est vrai.
dommage en fait, qu'il est en train de redescendre. On va prendre un peu la main. Non, je vais pas le faire. Par rapport à la vitesse finale qui est le max 120. Les approches GLS sont toujours sous 45 degrés. Là, voilà, vous appuyez maintenant sur votre approche, ici là. Ouais, ici. Voilà, donc là, on a le Lens là et le Lock qui sont armés. Et maintenant, son but, ça va être d'aller intercepter le Lock et le Dive. Dès que ce sera capturé, ça va passer ici en vert. Et en suivant le directeur, il va vous mettre et sur le lock et sur le blade. Ah, donc là, Lockstar, le lock a été capturé, on a une annonce à faire en disant Lockstar. Voilà, il fait sur le lock. Maintenant, prochaine échéance, c'est la fonction du blade.
Lady Slopstar. Il peut réduire à 100, 160, 60. Il peut mettre un deuxième grand volet, alors on va partir vers la gauche. Je mets sur la part orientale. À un point de glide. Donc dès que le glide ici sera sur un point, on pourra sortir le train. Un point de glide, vous pouvez sortir. Le train. Voilà. Toujours en maintenant le flight director. Ça dépend encore, parce que normalement on n'a pas encore. Donc on est passé, on est repassé au-dessus, là, au-dessus. L'ice-top a été capturé, maintenant il va vous faire descendre. Sachez qu'en réel, si le lock se barre à gauche d'un point ou à droite d'un point et que le glide, enfin ou que le glide se barre en haut d'un point ou en bas d'un point, on remet les gaz. C'est-à-dire que l'approche est ratée, on remet les gaz. Parce qu'en fait, c'est plus assez sécurisant de continuer parce qu'on sait pas, on n'est pas censé voir. Ouais. On peut très bien être dans une couche nuageuse avec des reliefs à notre droite et à notre gauche, donc si on dépasse d'un point à gauche, à droite, ou en haut ou en bas, on remet les gaz. Alors, ligne Puma, ils sont à 200 pieds seuls, c'est une DH, qui est en termes de précision. On a une test d'approche de 134. Pour l'instant, il y a les trucs de cela. En étant les lumières sur Run, les trois. Là, on va armer les aérofreins. Ouais. Moi, mon rôle, si on était en équipage, c'est de dire voilà, vitesse, glide, lock. Vous pouvez confirmer. Non, vous l'avez déjà fait. Voilà, donc là, pour dire qu'on les met sur le lock, c'est tout droit. À partir du moment où il a été cité, on peut tout faire automatiquement. Oui, c'est ça. Oula, là je veux plus rien. Là, il fait relativement froid, on va mettre de l'anti-virage, au cas où, on sait jamais. Ouais. Alors, légèrement en dessous du plan, c'est pas grave, on va rattraper. Vous laisserez réduire ici à 134. Pas encore. Alors, remarque si vous pouvez réduire. On est à 134, toujours en restant sur le flight director. Sortir avec un volet. Un volet sorti. La checklist s'affiche. Flaps full, c'est un item, ça y est rempli, maintenant tout est bien. Alors, on est passé au-dessus du pont, c'est pas grave. On va faire la sacrée de la piste. Alors là, on va mettre une main sur la barre horizontale parce que c'est justement maintenant qu'il faut vraiment le sujet. Il faut oublier d'être prêt. Mais plus on se rapproche, plus les fessiers sont étroits. Ouais, du coup, plus ça va bouger rapidement. Toujours rien en visuel.
Don't shake. Don't shake. Il a plus de sang. On a toujours rien vu. Il a plus de sang. Toujours rien visuel. Voilà où. Au minima, j'habite en lui, décision d'atterrissage. On va devant lui. Quand tu peux sentir les yeux, j'ai visé tout. J'ai visé tout. Voilà. On essaie de trouver là. Encore. On va te poser les places. Voilà. C'est compliqué du bail. Je vais se couper les anti-iris. Les lumières, ouais, on peut les trouver ici, là, les trois. Voilà, mais je vous laisse avancer légèrement et redégager par la gauche, par la droite, c'est comme ça. Non, je vous laisse maintenant diriger à gauche. J'ai lancé les tapes U. Je regarde si vous par la gauche, on va pouvoir les virer par la gauche. Voilà, c'est le frein, en fait, pour une freinature au train de parc à l'arrache. Du coup, il se prend une de rodeur, du coup, les freins marchent plus rad. Ah. Si les freins, ça va. Hop là. Il n'est pas beau à Dubaï. Hein. Ah, je suis un peu déçu. Hein. On m'a dit qu'à Dubaï, c'est toujours beau. Bon, allez-y, vous allez au fond là-bas. De la compagnie. Ouais, je voulais maintenant couper les moteurs ici là. Donc le 2 ou le 1 n'avait plus d'importance. Ouais. Voilà, le 2 et le 1. Parfait. Le moteur se coupe, les gilets vont se couper. Voilà, la deuxième aussi. Et là on peut couper les pompes. Ici, là, ici et ici. Ouais. Voilà, et là on peut mettre le prélèvement d'air. Parfait. Ouais. Voilà, bienvenue à l'aéroport de Dubaï. Génial. On a pu égaliser. Ça va.